Chez Claudette 12. Bonjour à tous et à toutes. Voici le dernier épisode de la série. J'espère que cette série de 12 vidéos vous a plu. Et que vous avez perfectionné votre français en regardant les vidéos. Voici venir le dernier épisode. Monsieur Ronchin vient de quitter les locaux de Monsieur Forêt. Il se rend compte que son téléphone est en mode silencieux. Il y a 3 appels manqués de Monsieur Lebon, le propriétaire du restaurant chez Félix, où il va manger plus tard avec sa femme. Il est sur le point de composer le numéro de Monsieur Lebon lorsqu'il reçoit un appel de sa femme. Allô? Bonjour chérie, écoute, je viens d'aller chez la coiffeuse et par conséquent, je suis un peu en retard. Désolée, mais je vais devoir téléphoner au restaurant pour modifier notre réservation. On va manger à 14h au lieu de 13h, d'accord? Oui, pas de problème, dit Monsieur Ronchin. Mais Monsieur Lebon a essayé de me rejoindre, donc il y a peut-être un problème. J'étais sur le point de le contacter quand tu m'as appelé, chérie. Pas de problème, je vais lui parler tout de suite. Ne t'inquiète pas, à 14h. Bisous. C'est Monsieur Lebon qui répond au téléphone. Et après s'être confondu en excuses, Madame Ronchin lui demande de modifier leur réservation. Monsieur Lebon est ravi que les Ronchins viennent manger chez lui après tout. De l'autre côté du village, au bar chez Claudette, tout le monde est de bonne humeur. Ils ont réussi à faire un superbe gâteau qui ressemble à celui créé par Madame Ronchin pour le grand dîner ce soir. « Il est parfait ce gâteau, » dit Claudette. Bernard, qui est toujours pratique, dit « Je propose de téléphoner à Madame Ronchin pour suggérer que nous livrions le gâteau à la salle des fêtes. » Comme ça, elle n'aura pas besoin de venir chez nous. Et en cas de problème, le gâteau était en parfait état lorsqu'il est parti de chez nous. Tout le monde est d'accord. Madame Ronchin, qui est en train de manger son saumon fumé, est aussi d'accord. Et ça, c'est ce qu'ils font. L'heure du grand dîner est arrivée. Tout le monde est présent. Il y a Monsieur Timbre, les sœurs Collier, Claudette, Bernard, Madame Courtier, Monsieur Ficelle et les Ronchins. Après le discours de bienvenue du maire, Madame Ronchin se lève et elle ouvre sa grande boîte verte pour révéler, avec la fierté et la joie, son beau gâteau. Monsieur Timbre regarde
Monsieur Ficelle. Claudette regarde Bernard. Madame Courtier regarde Monsieur Dumas, qui était, à son insu, le catalyseur pour tout ce qui s'est passé concernant le gâteau. Après avoir goûté sa part du gâteau, Monsieur Ronchin fait un grand sourire. Eh bien, ce gâteau est absolument fantastique, ma chérie. C'est le meilleur gâteau que tu aies jamais fait. Madame Ronchin est simplement comblée de joie. Et puis son mari continue, à sa grande consternation. J'adore la petite note de cognac. C'est super bon. Super bon. Madame Ronchin est perplexe et silencieuse. Et voilà, c'est la fin de la série chez Claudette. Résumé, espérer, venir de, quitter, être sur le point de, essayer de, se confondre en excuse, être ravi, être en train de, c'est le meilleur gâteau que tu aies jamais fait, être comblé de joie. Bon, c'est tout. Au revoir, à bientôt. Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent.